Crois-tu qu'un jour tu vas percevoir une quelconque retraite? Crois-tu qu'à la fin de ta carrière, tu vas recevoir la quasi-totalité de l'argent que tu as gagné lorsque tu vas arriver à l'âge de la retraite? Tu vois, aujourd'hui, il y a pas mal de journaux qui parlent de la réforme des retraites un peu partout dans le monde, notamment en France, au Québec et tout. Tu as des journaux comme Forbes, Le Figaro, Nouvel Observateur qui parlent de réforme de retraite. Et qu'est-ce que les gens font? C'est qu'ils trouvent le moyen, tout simplement, de mettre de l'énergie vers une cause perdue en fait, en se disant oui, on va manifester, on va aller bloquer les métros pour pouvoir finalement récupérer notre jus. Mais mathématiquement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que tu as beaucoup de personnes âgées qui vont à la retraite. Donc nos générations, ma génération en tout cas, moi je n'y compte même pas et je connais plein d'investisseurs qui ne comptent pas sur le régime de retraite. Moi j'ai longtemps travaillé dans des gros groupes. Et j'ai mis une croix sur ma retraite. J'ai mis une croix sur ma retraite. Je sais que je ne vais pas toucher de retraite. Qu'est-ce que j'ai fait à la place? C'est que je me suis bâti des actifs. J'ai créé ma propre retraite grâce à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, tu peux investir en immobilier et être maître à bord de ton avenir et de ta retraite sur le long terme. Tu peux choisir le montant que tu veux percevoir tous les mois en vue de préparer ta retraite. Tu peux également voir sur le plus long terme et préparer même ton héritage que tu vas laisser à tes enfants. L'investissement immobilier aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de pouvoir assurer ta retraite et l'avenir de tes proches, de tes enfants et également potentiellement même pouvoir te libérer financièrement. Donc dis-moi juste en bas dans les commentaires, est-ce que toi tu es pour le gouvernement et tu es pour la retraite en espérant avoir une hypothétique retraite ou tu es plus acteur de ta vie et tu te dis, ok, moi ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je vais retrousser mes manches, je vais prendre l'énergie que j'ai que d'aller manifester, à gueuler dans la rue et voilà, faire du boucan, etc. Je vais prendre cette énergie-là et je vais aller plutôt aller chercher des actifs, investir dans l'immobilier, entreprendre, générer des revenus passifs qui vont finalement me permettre d'avoir une retraite confortable. J'attends tes commentaires juste en dessous et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à quelconque personne qui souhaite également se bâtir une retraite et ne compte pas sur l'aide du gouvernement qui, honnêtement, ne fera pas son devoir. Donc, je t'invite à mettre les commentaires et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!